Conservez précieusement vos anciens Larousse et surtout pas en racheter de nouveau, parce que vous avez un vrai dictionnaire quand vous avez le Larousse 2012 et vous avez un drôle de dictionnaire, un dictionnaire du genre si vous avez le Larousse 2013. Larousse, tu vas te faire avoir par le petit Robert. Bon, l'Académie française a quand même donné un avis, l'Académie des sciences morales et politiques, très négatif au projet de mariage pour tous, a signé un texte, à l'exception de deux académiciens, à unanimité sur deux, parce qu'ils trouvaient que le texte n'allait pas assez loin. Donc l'Académie des sciences morales et politiques s'est clairement exprimée sur le sujet. Dispersez maintenant, mais quand même avant que vous partiez, je voudrais que tous vous compreniez le sens de ce rose que certains arborent, là, les bonnets phrygiens ou phrygidiens, je sais pas, avec ses cocardes. Ce bonnet phrygien s'appelle aussi le bonnet de la liberté, et en fait ça symbolise la liberté qu'on demande, et je crois que notre perception de la liberté n'est pas du tout celle de nos gouvernants aujourd'hui. Je crois qu'on a un regard assez différent sur la liberté, et sur l'égalité évidemment, mais c'est un peu ce que ce rose veut signifier. S'il y en a que ça intéresse, j'ai quelques bonnets phrygiens à distribuer. Et on va aller prendre gentiment un pot là-bas pour ceux qui veulent, voilà. Et merci d'être venu parce qu'il a plu et c'était très courageux. Et il y aura plein d'autres actions, voilà.